On n'a pas encore le derby qui tombe, mais moi je suis largement rassuré de voir qu'un avocat général demande un traitement. Les 4 jours que nous avons passés là, ce que nous avons vécu, il y a beaucoup de choses que nous, en étant des proches de la famille, on savait. Donc, à mesure que tout s'est écoulé, on n'a pas appris grand-chose de plus. Par contre, ce qui nous a frappé, c'est que ce monsieur devant la justice, devant la criminelle, devant ses propres copains, en parlant simplement le mettre au trou, il n'a eu aucune réponse. Il est tout le temps resté froid comme un frigo. Il a évité les questions, il a évité de répondre, et il a passé des périodes où il s'est même contredit, ce qui a été difficile pour nous. Pourquoi ? Parce que souvent, avant que la justice parle, moi je savais déjà ce qu'il allait dire et je l'avais dans la tête. Donc chaque fois quand j'ai vu les réactions d'Eric, c'était un coup de marteau comme tout. Mais là par contre, moi personnellement ça m'engage comme moi. Je suis réconforté de bien ce que je vois, de ce que je peux me voir.